temps pour faire ça. La prophétie de Ratma évoquait un serpent, non? Si Elias était aussi au courant. Dès l'instant où Elias a entendu la prophétie de Ratma, celle-ci l'a empoisonnée. Elle l'obsède. Les prophéties sont des énigmes. Leur sens échappe même aux plus sages. Mais Elias était convaincu de pouvoir résoudre celle-ci. Et quand je lui ai dit de patienter, il m'a traité d'imbécile. M'a dit que nous devions faire tout ce... Vous avez essayé de l'arrêter? Essayer, oui. Sans succès. Mais cette fois, ce sera différent. Trouvons ce fichu cercueil. Je ne suis pas encore prête. Vous voyez le cercueil d'ici? Vous voyez quelque chose? On dirait que quelque chose flotte là-bas, à côté de ces navires. Je le vois, moi aussi. Nous allons devoir passer au-dessus des débris pour l'atteindre. J'ai besoin de temps pour... Et ça se propage. Nous n'avons pas le temps. Je dois stopper la gangrène des noyés. Je ne comprends pas. Lorat, vous êtes sûr de vous? Je suis sûr qu'elle va mourir. Tenez-la. Nous n'avons pas le choix. Tenez-la bien. Vous deviendrez une Oradrim, jeune fille. Je ne vous abandonnerai pas.
Allez au cercueil. Je vais m'occuper d'elle. Est encore souillé de la présence d'Elias. Je ne suis pas encore prête. J'ai besoin de temps pour préparer cela. J'ai besoin de temps pour préparer cela. Le jour où j'en aurai terminé avec cet imbécile arrogant sera un grand jour.
Les escaliers sont inondés. Je dois trouver un moyen de passer. Je ne suis pas encore prête. Je ne suis pas encore prête. Mais la question demeure, que nous fera-t-elle si je l'invoque? Non, quand je l'invoquerai? Je dois me préparer à toute éventualité. Ratma a conservé ici le moyen de parvenir à l'immortalité. Une fois que je l'aurai maîtrisé, je ramènerai la mère. Chez nous. Le secret de l'immortalité d'Elias doit se trouver plus loin. J'ai besoin de temps pour préparer cela. Je ne suis pas encore prête. Oh !
C'est... le doigt de Jess. Non. Je ne vais pas mourir ici. Je ne peux pas faire ça. Je vous ai trouvé dans un cercueil à la dérive, serrant un doigt coupé contre vous. Que s'est-il passé? Je ne suis pas sûre. Le temple a commencé à couler et je croyais m'être noyée. Un temple? Le cercueil était donc un portail. Et l'immortalité d'Elias? Il conserve son essence vitale dans un fragment de lui-même. Brûlez-le. Bien. Qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Laissez-moi finir ce que j'ai commencé. Je ne laisserai personne d'autre être blessé par mes choix. Non. Non. C'était pas un rêve. Mon bras... il a vraiment disparu. Vous allez vous en sortir. Vous allez me quitter, n'est-ce pas? Vous allez trouver un endroit où on prendra soin de moi. Vous voulez qu'on vous laisse derrière? Non! C'est juste que je ne veux pas être un fardeau. Alors nous ne vous laisserons pas. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Nous n'avons plus le temps de nous reposer. Vous devriez aller voir Donan. Nous vous retrouverons au fort du Zakharum plus tard. Je peux m'occuper du rituel, si... Si vous pouviez... En ce qui me concerne, oui, je pense l'être. Prêt à harmoniser la pierre d'âme, du moins. Mais pour ce qui est de la suite, capturer Lilith, l'enfermer dans la pierre, nous savons ce qui est arrivé par le passé. Cette fois, il faut croire que cette tâche nous incombe. Pas à la prophétie, ni à Inarius, ou à qui que ce soit d'autre. Quelque chose cloche par ici. Cet endroit ne me dit rien qui vaille. Finissons-en au plus vite. Je ne suis pas encore prête. Bien, Lorat. Il faut inscrire les 6 emblèmes de Dandaz dans l'ordre, et puis... Puis les 2e et 4e inversés. C'est agréable de vous voir d'accord sur quelque chose. Concentrez-vous. Bien, commençons. Là. Vous le sentez? Qu'y a-t-il, sorcière? Quelqu'un arrive. C'est Elias. Il est ici? Il faut que... Lorat, ne vous avisez pas de partir! Oh, je vais le tuer moi-même. Hmm.
L'arbre exige un tribut. Tout comme moi. Je brûlerai votre arbre et jetterai votre cadavre dans les flammes. Je ne dois pas vous défendre. Mais quand finirez-vous par comprendre? Jamais je ne mourrai de votre main. Je suis descendu jusqu'au plus profond du temple englouti, Elias. Je connais le moindre de vos secrets. J'ai besoin de temps pour préparer cela. Il m'a semé dans les tunnels, mais le marais va s'occuper de lui. Oh, Radrim,
Nous étions sur le point de finir sans vous. Il est encore en vie? Où est-il? Au bout de cette piste ensanglantée. Par ici. Taïssa, je dois lui parler. Alors faites don, Oradrim. Lorat. Oh, Elias. Tout cela en valait-il la peine? Vraiment? J'ai amené Lilith à Sanctuaire. Une chose que l'on pensait impossible. Et lorsque les enfers viendront ravager ce monde, je serai là, derrière elle, pour les repousser. Tu m'as laissé seul, franchir des frontières que tu n'aurais jamais osé approcher. Et tu te retrouves sans rien. Tu n'es rien qu'une vie gâchée. N'essaye pas de me pardonner, vieillard, car c'est toi qui as causé tout ceci. Cela en valait-il la peine? C'est une question de pleutre, Lorat. Elle te va bien. Elias Darnok. Épargnez-moi ça. De votre plein gré, vous avez prêté serment à l'arbre des murmures. Ce n'est pas la vie que je méritais. L'arbre n'oublie pas les serments. Et il n'efface aucune dette. Votre combat s'achève. Un vent joyeux qui souffle. La tête d'Elias pend à l'arbre des murmures, et votre pierre d'âme est harmonisée. Il est temps de vous laisser. Laisser? Nous partons affronter Lilith. J'avais espéré que vous viendriez avec nous. Je comprends bien que l'enjeu est de taille, mais Lilith reste votre problème. Le mien est tout autre. Au revoir, je suppose. Et merci pour le thé. Prenez soin de vous, Donan. Elle m'a appelé par mon nom. Lorat ne me croira jamais. Mais où est-il? Je ne l'ai pas revu depuis... Depuis qu'Elias l'a traité de lâche dans son dernier souffle. Et que cherche-t-il à prouver en allant seul affronter Lilith? Son courage? Elias ne nous a pas dit où nous pouvons la trouver. Mais sa tête pend à l'arbre des murmures. Donc l'arbre sait où se dirige Lilith. Lorat pourrait le lui demander. Mais il devra en payer le prix. Quel prix? Le même prix qu'Elias a payé. Pendu à l'arbre pour l'éternité. Non. Tous à l'arbre! Vite! Arrêtez-le!
Je ne peux pas faire ça ici. Lilith a toujours eu deux coups d'avance sur nous. Cela n'a que trop duré. L'arbre a fini par me dire où la trouver. Et cette information valait le prix demandé. Cela en valait-il le prix? Votre tête finira sur l'arbre. À votre mort, on vous y pendra comme les autres. Et alors? J'aurais dû vous demander la permission? C'est fait. N'en parlons plus. Tandis que nous sommes plantés là, Lilith est en chemin pour absorber le pouvoir de Méphisto. Elle a trouvé une porte de l'enfer et s'en approche avec la clé. Où se trouve la porte, mon frère? Sous Caldeum. Elle rencontrera sûrement de la résistance? Certainement pas. Ces crétins lui ont ouvert la voie. Nous seuls pouvons l'emprisonner dans la pierre d'âme. Il faut à tout prix l'arrêter. Et si Lilith avait déjà franchi le portail? Nous la suivrons jusqu'aux enfers. Je ferai mon possible pour nous y amener. Nous quatre uniquement? C'est de la folie! Ce n'est pas de la folie, mon enfant. C'est notre devoir. Retrouvons-nous à Tarsarak pour nous préparer. Prions pour qu'il ne soit pas trop tard. C'est étrange de savoir où l'on ira une fois mort. Enfin, cela fait toujours une question existentielle de moins. Ai-je fait le bon choix? J'ai fait ce que j'avais à faire. Il nous fallait des réponses et nous les avions trouvées. Lilith allait mener l'assaut sur les portes des enfers. Astaroth et le marché, Ratma et la clé, tout nous menait à ce moment. Mais ce que nous ignorions, c'est que tandis que nous progressions avec peine dans le marais, Inarius et la cathédrale lançaient une croisade contre Lilith. Leur combat réduirait le monde en cendres. Et le vainqueur n'aurait aucune pitié pour ce qui en resterait. Notre seul espoir était de trouver Lilith avant Inarius. Mais nous n'aurions jamais pu prévoir ce qui allait arriver. Rocha va me manquer. Je veux des sentinelles sur le mur. Surveillez la route à l'ouest. Les infidèles arriveront bientôt en masse. Lorat et Donan sont partis à Caldeum. Les chevaliers sont en marche vers la cité. Ils ont décidé de les suivre. Mais j'ai préféré vous attendre. Est-ce que je peux vous poser une question? Quelque chose de personnel? Évidemment. Vous arrive-t-il de penser que rien de ce que vous faites n'importe vraiment? Plus que je ne voudrais l'admettre. On me qualifie d'héroïne. Mais au fond, je suis toujours la même. Puissante, certes, mais imparfaite aussi. Je fais de mon mieux. Mais ce n'est pas suffisant. Je pense à Yorin, à votre mère. Est-ce que ça devient plus facile avec le temps? C'est possible. Avec de bons alliés. Merci d'avoir été honnête avec moi. Ça m'aide de savoir que je ne suis pas seule. Nous devrions y aller. Je retrouverai les autres à Caldeum. Je ne peux pas faire ça en ville. C'est l'un d'eux. Chut, mon cœur. Vous savez que ça fait mal?
dois avancer. Que s'est-il passé ici ? Rien de la secte ont-ils tué ? Combien d'innocents ? Qu'un être mortel ne détient un tel pouvoir. Vous mourrez, vous resterez coincé sur cet arbre avec Elias pour l'éternité. C'est ce que vous voulez? Vous me débrouillez très bien tout seul. Des larmes de sang s'abattirent sur un joyau du désert. C'est ce que dit la prophétie. L'histoire cosmique est en train de s'écrire sous nos yeux. Enfin, les chevaliers sont en train de mettre la ville à sac. Est-ce que Lilith est ici ? Oui, comme l'arbre l'avait prédit. La pluie, les démons, le portail infernal sous le palais qui est à l'origine de tout ça. Elle a ouvert le passage. Si elle parvient à absorber l'essence de son père, Sanctuaire sera perdu. Nous devons l'en empêcher. Comme des trophées. Je ne vois aucune lumière dans tout ça. Cette mise en scène n'a rien de mieux. Les corps servent d'exemple. Laissez-moi parler. L'heure de la prophétie est arrivée, chevalier. Lilith s'enfuit par la porte des enfers. Je la tuerai dans ce cloaque qu'elle appelle foyer. Et j'ouvrirai la voie des cieux. Tout est conforme au destin. Une lance de lumière transperçant le cœur de la haine. Ceux qui mourront au combat aujourd'hui seront bénis des cieux. Rassemblez les troupes au palais. Nous marchons vers les enfers. D'accord. Et ensuite, quel est le plan ? Ah, Léoradri. Toujours à courir après les batailles de vos supérieurs. Mais les anges n'ont pas besoin de vous. La pierre. Non plus, nous n'avons pas besoin des anges. Quelle arrogance.
posséder un simple fragment de ce qu'était autrefois la pierre monde. Vos misérables mains l'ont avili. Lilith mourra par ma lame. C'est la prophétie qui le dit. Comme auparavant, cela ne change rien. Avec notre seule arme. Quel est votre plan ? Arrêtez Lilith. Qu'importe le prix. Il découle de son orgueil. On ne peut pas continuer. Je connais une personne capable de terrasser Lilith. Vous avez vaincu Astaroth, Zelda. Si nous ne trouvons pas la pierre, vous êtes... Donna, vous êtes revenue. Et vous n'êtes pas seul. Béni soit la lumière. Le Père nous délivrera, ensemble. Il s'est emparé de notre pierre d'âme. Il agit selon la volonté de la lumière. Vous y croyez toujours? Comment pouvez-vous douter de nous? Après tout ce que nous avons fait pour vous et Yorin. Au moins, il n'est plus là pour vous voir dans cet état. Du calme, mes frères. Douce. Le péché n'est jamais sans conséquence. Le Père a agi avec vertu. J'ai foi en lui. Nous voulons arrêter l'élite. Tout comme vous. Je n'y crois pas. Inarius nous attend, près de la gueule des enfers. C'est inutile. Le Père s'occupera de Lilith. Mais votre armée, vos fidèles, ils ont besoin d'aide. Que... Et nous aussi. Ensemble, nous irons plus vite. Lorat, la voix de la raison. Un plaisir rare. Très bien. Vous pouvez nous accompagner au portail. Oyez, chevalier! Le jour fatidique est arrivé! Le Père tuera Lilith en enfer! Puis il appellera ses fidèles! À le rejoindre dans les cieux! Tous au palais! Thank you.
Le sol a tremblé. Supérieur. Peu importe ce qui nous attend, on passe.
supérieure. Les portes nous sont barrées. Donnez la position. Roth, je dois vous parler. On ne peut pas lui faire confiance. Effectivement. Mais ils ont une armée, et le même objectif que nous. Pour l'instant. Au-dessus de la porte. On dirait un treuil. Je m'en occupe.